2020 et c'est l'anniversaire de ma cousine Nana. Elle a officiellement 11 ans. J'ai fêté ses 10 ans l'année dernière et bien entendu je vais fêter ses 11 ans cette année. Et pour cela on se retrouve dans une vidéo vocal vide info spéciale, je donne mon opinion sur ma cousine Nana. Passons maintenant à la véritable vidéo. Je pense que vous avez tout de suite compris ce que je vais faire dans cette vidéo. Tout est dans le titre. Donc tout d'abord je vais commencer par donner mon opinion sur son apparence. Son apparence a un lien avec Apple. Attention, Apple la marque, pas juste la pomme. Mais où est la pomme en fait? Ça a un rapport avec les deux. En réalité, son apparence est verte, tout simplement pour rappeler une pomme. Donc, verte. Mais ses vêtements blonds sont plutôt là pour rappeler la marque. C'est pour ça que dans certains fanarts, on peut la voir avec le fameux symbole d'Apple en fond. Ensuite, son apparence a été également inspirée d'Hatsune Miku. Vraiment. Honnêtement, je vois pas du tout le lien. Je suis très étonnée, mais pas étonnée, mais pas de manière agréable. Je trouve qu'elle est très cute, globalement, son apparence. Elle est mignonne. Son thème de la pomme verte bah, va très bien. Du coup, le thème a bien été respecté. Donc, globalement, pour son apparence, je la trouve cute, mais sans plus. Pour sa voix. Alors, pour sa voix, il y a un très gros problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gammes de voix et j'étais très vite perdue. Du coup, je ne vais qu'en juger trois. Sa version Utaou, sa version anglaise, Vocaloid, et sa version japonaise, Vocaloid. Donc, pour sa version anglaise, je l'ai jugée avec une chanson originale et un cover. Attention, deux covers, mais je vais vous parler du deuxième après. Donc, la chanson originale que j'ai pris, c'est Circus Pi. Donc, bien entendu, je commence direct avec un vocalo Pi connu, qui a fait la chanson Nana. Ensuite, c'est un cover que j'ai également jugé, donc It's Been So Long, que vous voyez à l'écran et que je mets également dans la description. N'oubliez pas que toutes les chansons sont dans la description, et certaines en fiche, pas toutes. Et enfin, le dernier cover qui est un cover bonus, on va dire, c'est Break Free d'Ariana Grande. Donc, pour l'original, bah, j'ai trouvé que bien entendu le tuning était génial, mais ça, c'est Circus Pi, hein, on peut pas trop juger. It's Been So Long, là aussi, on a un très bon tuning, mais Break Free, qui pourtant n'avait pas un tuning spécialement bon, peut-être même pratiquement pas, et bien pourtant c'était très bien. Du coup, en résumé, ce que je peux dire globalement sur sa voix anglaise, c'est une voix qui tient tête à Gumi, mais qui manque un peu de naturel, ce qui est dommage, mais sinon elle est incroyable. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est une voix qui peut peut-être être un petit peu égale à Gumi. Cependant, elle est beaucoup trop robotique à mon goût, et on entend trop que c'est justement une Vocaloid, mais sinon elle est quand même incroyable. La prononciation irréprochable, vraiment. Si à un moment donné, vous comprenez pas du tout ce qu'elle dit tout au long de la chanson, c'est la faute de la personne, pas de la Vocaloid. Et bien entendu, elle devient magnifique grâce à un super tuning, mais même sans, sa voix est géniale. Je trouve que sa version anglaise est très bien pour l'électro, comme le montre la chanson Circus Pi et It's Been So Long. Mais bon, après même pour la pop, elle peut se débrouiller. Passons maintenant à sa version Utaou. Donc, sa chanson originale, j'ai pris Kanta no Tsukoshikata. D'après Google, hein. D'après Google, ça se pense comme ça. Parce qu'en vrai, j'ai galéré pour trouver une chanson originale. Je suis allée sur Internet, je suis allée sur le wiki, Vocafan et tout. Jusqu'à enfin en trouver une. Bien entendu, complètement japonais. Mais heureusement, il y avait un lien YouTube. Et Google m'a aidé. Et comme cover, j'ai pris Pon 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 et Tell You World. Pon 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 est un cover qui était assez connu, c'est pour ça que j'ai rajouté Tell You World, sachant qu'en plus c'était un cover plus récent. Et Pon 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 était justement un cover trop vieux, du coup je pouvais pas trop me fixer là-dessus. C'est pour ça que j'ai cherché un autre et j'ai trouvé Tell You World. Son Utaou est très bien, elle est de bonne qualité pour une Utaouloïde. Désolé, mais je garde tout le temps en tête que les Utaouloïdes sont quand même moins bien que les Vocaloïdes, désolé. Je comprends pourquoi ils m'ont fait passer à Vocaloïde, sincèrement. Même si, en vrai, dans l'histoire, elle n'a pas fait Utaou et ensuite Vocaloid, elle a fait d'abord un logiciel spécial pour Apple, ensuite elle est passée à Vocaloid, et des fans l'ont fait passer à Utaou. Mais sinon, je trouve qu'elle est très bien, et c'est tout à fait normal qu'elle ait eu tellement de succès pour se faire en Utaou. Sa version Vocaloid japonais. J'ai pris deux covers. Neapolitan et Sacha pour sa version V4. Oui, parce qu'en fait, le premier, donc Neapolitan, c'était sa version de la 3ème génération. Et Sacha, sa version de la 4ème génération. Du coup, j'ai voulu un petit peu comparer les deux. Et comme chanson originale, Girl, Sid, A,
qui est une chanson plutôt connue de Mark Lennon. Sa version de la 4ème génération est beaucoup mieux que sa version de la 3ème génération. Non mais vraiment, il y a une énorme différence. Sa version de la 4ème génération fait beaucoup plus naturelle et beaucoup moins aiguë que sa 3ème génération. Ensuite, je comprends pourquoi sa version japonaise est délaissée, puisqu'elle n'est pas si bien que ça, trop aiguë. Mais quand même, elle a une voix super belle et douce, comme elle est bien maîtrisée. Et là, je parle de sa chanson originale. Car pour les covers, on est dans de l'aigu. C'est une belle voix pour l'électro et la pop. Mais attention, s'il vous plaît, pas de rock. Vraiment. Parce que Neapolitan, c'est vrai que c'est pas entièrement du rock, cette chanson. Mais quand même, il y a un petit style de rock. Et vraiment, elle n'est pas du tout faite pour ça. Donc globalement, mon avis global sur absolument toutes ces voix. Oh, mais avant, je vous conseille vraiment d'aller regarder sa chanson originale. Elle est magnifique et c'est en l'écoutant que je me suis dit qu'on peut faire tellement plus avec sa version japonaise. Parce que vraiment, quand on la maîtrise bien, elle est super belle sa voix. Même mieux parfois que sa version anglaise. Donc, globalement, si on réunit toutes mes avis sur toutes ces voix, je vous vois, ouais, bof, j'ai pas trop d'avis, je suis plutôt neutre. J'aime moyennement, c'est peut-être trop aigu pour moi. Il y a donc quelques chansons, quelques covers que j'ai trouvé waouh. Mais ça, c'est parce qu'il y a un beau tuning. Mais sinon, globalement, c'est pas trop ça. On passe maintenant au MMD. Alors, MMD, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a plein de sites différents. Mais, elles ont la même apparence. Donc, pour résumer, c'est, on prend son apparence d'origine et on lui donne plusieurs styles différents. Ils sont géniales. Il n'y a pas beaucoup d'apparences différentes, mais j'estime que c'est suffisant. Car on peut facilement la confondre avec d'autres vocaloïdes. Sinon, exemple, Sonic Agumi. Par exemple, voilà, sur cette image, je l'ai confondu avec Gumi. Des cheveux. Donc on peut facilement la confondre avec d'autres vocaloïdes qui ont également les cheveux verts, du coup ce qui est pas très bien. Donc c'est même mieux qu'elle n'ait pas beaucoup d'apparences différentes. Sa vidéo la plus connue sur YouTube, et active je précise car il y en avait une plus connue mais elle était inactive. J'ai pas compris, je savais pas si c'était un bug. Elle date de 8 ans, elle a fait 25 000 vues. Sa vidéo la plus récente, encore une fois sur YouTube et active, elle date de 1 mois et a fait 994 vues. Mais d'après moi, elle a été boostée car le youtubeur est connu, c'est Oulabessam. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce youtubeur ou youtubeuse. Désolé, je ne sais pas si c'est une personne qui est espagnole. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, niveau MM2, je suis globalement également neutre. Il y a des modèles qui sont pas franchement originaux. Donc, un peu déçu, mais bon. Après, je me dis, oui, on peut faire quelque chose. Parce que, vraiment, on peut faire autre chose à part lui. Il lui faire aussi assez ça, lui changer juste un peu son style d'apparence originale, juste lui changer de tenue. Vraiment, je me dis qu'avec d'autres, elle peut être très belle, vraiment. On peut faire des tonnes de choses avec, mais vraiment, je crois que les mêmes d'ailleurs ne trouvent pas franchement l'intérêt, surtout son vocaloïde aussi peu connu. Mon avis général sur tout, en prenant tout en compte. C'est bien d'avoir donné une licence, ce qui a permis de la mettre en sur Otaku. Car oui, mais c'est dans l'ordre logique, ça concerne. Ça fait ça. Donc tout à l'heure, je m'étais trompée. D'abord, elle est apparue sur Apple, donc sur un logiciel d'Apple. Ensuite, des vocalfans l'ont transmis sur Otaku. Des fans ou peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas, mais à mon avis, c'est des fans. Et ensuite, Vocaloid, elle a mis sur Vocaloid 3. Du coup, ça a été très bien de mettre une licence libre. Je suis très impressionnée qu'elle ait été créée à l'origine par Apple. Ça apporte beaucoup d'originalité comparé aux autres Vocaloid. Parce que très souvent, c'est la même histoire. Et là, tout d'un coup, on a Apple. Du coup, c'est vraiment très intéressant. Donc, on est impressionné à ce niveau-là. Encore une chose qui m'impressionne, elle a pas mal de produits Apple à son image. Eh oui, là, je vous donne quelques exemples. Alors, elle a pas mal de goodies, ce qui m'étonne beaucoup pour une Vocaloid pas très connue quand même. Globalement, je suis impressionnée par ses origines liées à Apple, mais sinon, pour moi, c'est une Vocaloid pas très originale et pour laquelle je suis neutre. Je suis vraiment désolée. Niveau apparence, niveau voix, c'est pas original. Même si son histoire et ses origines, c'est original, c'est impressionnant, ça ne suffit pas. Du coup, ma caméra, c'est ça qui lui manque. Apparence pas originale, voix pas originale et à mon goût trop aigu. Et du coup, ça l'a fait tout dégringoler. Alors que pourtant, elle avait un super lien avec Apple. Elle aurait pu avoir de l'originalité, beaucoup plus. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Mon opinion est le mien. Vous avez le vôtre. Bien entendu, vous pouvez un petit peu critiquer moi, ça vous chante. Mais c'est le mien. Je le garde. Je ne sais pas si je vais changer d'avis. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais pour le moment, c'est ça. Donc, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dans l'amino, amino et bloc toutes les photos qui ont été pour cette vidéo sur MacNeNana et également une vidéo sur TikTok. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo.
Just walk down and down.